Salut à tous mes petits corbeaux, on se retrouve pour une petite vidéo sur Gwen Tefer. Normalement, au moment où vous regardez ça, cette vidéo, l'événement devrait être terminé puisque nous sommes actuellement lundi 20 novembre et que ça se termine dans 5 jours et 4 heures, donc le 21 à 13 h, quelque chose comme ça, 13 h, 14 h, 14 h. Donc voilà, donc je voulais vous présenter un petit peu quand même l'événement Samhain Fête des Morts qui avait lieu du 31 octobre au 21 novembre, je vais y arriver. Hop. Et donc je voulais vous présenter un petit peu tout ça. Alors moi j'ai réussi à faire que le premier défi. Je vais vous montrer comme ça un peu à quoi ça ressemble. C'est des petits défis. Donc là en l'occurrence il faut détruire la porte du château en empêchant les vampires de détruire notre bélier. Et donc on a la carte le bovin de Beauclerc qui nous permet de replacer nos unités dans notre main, y compris notre chef. Mais vous allez voir, c'est pas si simple que ça. Parce que la porte du château, elle a quand même 80 points de vie. Et qu'entre-temps, bah, vous avez des vampires qui pop, et c'est pas évident. Alors, c'est à chaque fois qu'un paysan apparaît sur la ligne. C'est ça, ouais. Donc, là, puis la reine de la nuit, vous pouvez pas la tuer parce qu'elle revient de toute façon à chaque fois. Le bovin nous permet de replacer un paysan allié dans notre main. Le chef nous fait générer trois faucheurs, ou trois paysans. Franc archer. Là, ça nous permet de soigner notre machine. Et ça inflige, ça repousse un ennemi d'une ligne. Ok. Alors, on va commencer par faire une levée de masse. Top. Donc, on va taper ça. Ça. Et ça. Hop. Voilà. Donc après, il va falloir trouver un juste milieu. Donc là, moi, je vais décider de refaire une levée de masse. Je vais mettre un ici, un autre là, et je vais en mettre un devant pour protéger en fait par l'effet de ce machin-là qui afflige 5 boîtes sur le côté opposé. Alors, le problème c'est qu'il commence à y avoir. Du monde en face. Vesemir. Attribut tenace permanent au bout de 3 tours. Ah oui, ça, toutes les unités en face. D'accord. Elle retourne dans notre main au bout de 3 tours. Là, ce qui serait intéressant, ce serait de jouer Vesemir ici. Voilà. Ça permettait de faire un peu de ménage et on sait que elle peut pas venir taper Vesemir, donc Vesemir reviendra forcément dans notre main. Je vais jouer 3 faucheurs. Ici quand même. Voilà. Bon, là ça craint un peu. Voilà. On en décale. Deux. Et là on va morfler un peu. Donc là, il y a intérêt. Vesemir, fais le ménage. Hop. L'utiliser. On va le mettre devant.
Ah d'accord, ça a buté mon bélier. D'accord. Mon bélier est mort, j'ai perdu, voilà. Donc je vous avais prévenu, je suis vraiment mauvais. Et j'arrive vraiment pas à ce truc-là, j'y arrive vraiment pas. Donc je vais réessayer une deuxième fois pour vous montrer que je suis vraiment mauvais. Et je pense que j'arrêterai la vidéo là-dessus parce que... voilà. Aïe aïe aïe. Allez. Top. Ce que je vous dis, ça sert à rien de taper la reine de la nuit, puisque de toute façon, elle revient quand elle est tuée, donc. Je sais pas si ça vaut vraiment le coup maintenant. Non. Vaudrait mieux. Top. On va le poser devant. Hop, comme ça. Hop. Comme ça après, bovin, on le récupère. Comme ça, on le rejoue. Et là, après, on va se faire un petit vaisseau là-dessus. Ah ouais, non, c'est chaud. Ouais, si. Pas trop le choix. Et là, il faut qu'on refile de la vie. À notre... Voilà. Que je vais voilà, ça permet de faire un peu de ménage et voilà, je suis quand même mort. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous montrer un peu l'event de Saovin. Donc vous avez quand même ça, vous avez 6 épreuves à faire. Je sais pas, enfin, je vais pas refaire le premier parce que je vais le fail à tous les coups, mais voilà. Donc là-dessus, je vous dis à ciao à plus et à bientôt pour de futures vidéos sur la chaîne. Ciao, bye bye.